otherwise known as Le Chevalier de Banlieue, Suburban Night en français. L'album s'appelle My Soul Dark Direction. Et le morceau s'appelle Combination Alpha. Is that it? Collaboration Alpha, yes. Collaboration Alpha, yes. Yeah, it's me and Edo. Brother from Detroit doing music in Belgium. That's perfect. And restez sur Nova. On revient à l'Underground enregistré parce qu'ils sont là, c'est vrai. C'est pas du mensonge. Underground Resistance. Et voilà. Maintenant, c'est Nova. Shifter.
values, it's just circumcised, you know, really taking a bit of ground and it's just doing it. So my sister, I can't even know the ground and the ground.
différente de ma part. Et c'est moi qui vais faire le concours de la radio sur l'Espagne. On regarde ce que tu as fait. Et tu reviens quand tu veux. On est avec Van Atkins qui est une excellente de Van Atkins, le père de la musique électronique des trois. Ça fait 20 ans qu'il fait de la musique électronique. Aujourd'hui, le regard est fait les 15 ans de musique électronique à Paris. Pour un test au Rex. D'ailleurs, déjà avant, c'est juste mes 15 ans d'abord aussi. Au bout de 20 ans, quel regard on jette sur la musique électronique, sur cette histoire? So 20 years in the history of electronic music, how do you look back, when you look back, what do you think about the history of music? You know, it doesn't seem like that much time is going past so quick, you know. I'm standing around with guys here that I grew up with, basically, this kind of thing, right? And it's where did all that time go that quick? Pour lui, il a pas l'impression que ça passe si longtemps. Il a surtout l'impression de se retrouver là tout de suite avec des gens comme Midnight, avec des copains et des gens avec qui il a grandi. Et c'est surtout ça finalement. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Quels sont tes projets? Quels sont tes collaborations? Enfin, Midnight, what are you doing at the moment? What are your projects? What are you working on? At the moment, I'm about to compile all of my back catalog records. Everything that I've done since day one, obviously, you're learning. That's a lot of work. Cybertron. The work is already done. The record is ready to go. It's just a matter of, you know, right logistics. Also, I'm living in LA right now, so of course, I mean, being in Hollywood, I will be doing it soon. C'est qui t'as fait accomplir tous ces travaux depuis le tout début, depuis le tout premier disque, donc ça fait quand même pas mal de boulot. Et puis aussi, bah, il projette de jouer dans des films, je pense que c'est une belle entrée parce qu'il habite à Los Angeles. Je ne sais pas, je vais peut-être lui demander, mais hier il m'a dit qu'il travaillait au CV George Clinton, je m'en vais un peu savoir ce que c'est. Et il m'a dit que oui, il était actually working with George Clinton at the moment. Oh, yeah. Il est bien. Mais il ne faut pas oublier de ce moment. Donc, ça, I'm actually right now collaborating on a track right now with George Clinton. And this is something that of course, George Clinton is like one of my idols. So this is sort of like something that I've been working towards ever since I've been making music. Le rêve de sa vie à Rouen, travailler avec George Clinton comme qu'elle élite par des mondes, depuis qu'il fait de la musique, il avait ce but finalement un jour à travailler avec lui, parce que ce qui est en train de se produire, et ça sort quand? When it be released? The track is not finished yet, so it's just, you know, I have no idea, but of course it will be phenomenal. Ça va être phénoménal, ça on le croit. Je ne sais pas encore quand ça sort, ils sont encore en train de travailler dessus. Tout de suite, et ben on continue avec un de nos musiciens qui ont décidé de s'inviter encore plus longtemps jusqu'à aller. Lumière est dans le studio, on est qui? On se retrouve. Hey, parents, what's going on? We got James Pennington queued up at the decks. We got some beautiful women in the studio with us right now. So we have a good time. Okay. And okay, set it off, Chip.
19h43, vous êtes toujours sur Radio Nova, c'est Laurent Garnier. Et voilà, je vous ai emmené sur l'antenne Nova. Je sais que ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas entendu. Donc il fallait que je revienne à quelque chose de mortel, de lourd. Donc je vous ai emmené les gens de l'underground résistance en surprise, histoire de squatter l'antenne pendant 2 heures. On a pratiquement fait 2 heures. Et on vient juste d'écouter un petit mix de Monsieur James Pennington, a.k.a. The Suburban Nights. On a tourné écouter un mix de Mr. Buzz Gary, Make Some Noise, et Monsieur Rana Cruz. Et on est aussi avec Mad Mike qui est là et qui était hier soir au Rex. J'ai entendu le discours que tu as fait sur l'Irak hier soir au Rex. On peut se demander finalement quand on est aussi militant qu'un mouvement de résistance, quand on voit finalement des gens comme George Bush accéder au pouvoir, quand on voit le conflit irakien, est-ce qu'on n'est pas des fois découragé, est-ce qu'on ne se dit pas qu'il y a encore beaucoup de boulot? I heard you speak about the war in Iraq and I wanted to know when you've been fighting for such a long time, don't you feel discouraged sometimes? Seeing people like George Bush, you know, being in power and seeing such things happen? Well, I want everybody out there to remember the strength is in the sound. Music and tones are difficult to censor, especially when they don't have words. If you can convey an idea or a feeling through music, because it is the universal language for all of us tribal people, we've been well removed from it in Detroit, and ours is a big war, but I think people can feel it. Young men shouldn't get caught up in old men's shit, right? It's okay. And if it continue to happen until people reach into the sun, we were removed from our music. We were taught by books and remembering reading and books and shit. Really, really way back, somewhere way back. We talked with beats, and we just kind of tapped into it. And it's quite ridiculous for people to censor beats. So talk with beats, man. Talk with beats, you know. It's doing it in our small scene. It's bringing us together. I hope that people, younger people, can talk with beats. And then these old ass bastards will be out the way, and it'll be smooth again like it used to be. Laissez le dehors, parler avec des rythmes, parler avec la musique, c'est la musique qui est le langage universel, c'est la musique qui est une arme pour Mad Mike dans la grande résistance. Autre chose, j'ai aussi entendu ton discours hier sur Jeff Wills. Est-ce que tu peux nous dire quelle est votre relation aujourd'hui? I heard your speech about Jeff Wills. He's playing at the Rex tonight. That's right. Everybody that can make it, get on your bike, get on your motorcycle, get on your skateboard. On your scooter. And, yeah, on your scooter. And get on there. And Jeff and Lenny D. And it's going to be something else. And I think they see a very versatile side of Jeff also. You know, he's very versatile as a DJ. And sometimes I think he may be limited, you know, when he goes to places that haven't been, their mind hasn't been open as much as here in France. So I think Jeff will really be able to express himself really good tonight. Le public français est ouvert, en tout cas pour Mad Mike, et il pense que Jeffrey, ça va très bien se passer ce soir, parce que c'est vrai que c'est un explorateur, c'est quelqu'un qui invente sans arrêt, donc prenez vos skateboards, vos scooters, vos motos, et puis rendez-vous là-bas ce soir au Rex Club, Laurent. Moi, j'avais juste une question à poser à Mike qui n'a rien à voir avec la grande résistance, mais je sais que c'est un grand combattant et j'aurais voulu savoir comment il s'est senti il y a 15 jours quand on a perdu Nina Simone, quelqu'un d'aussi important. Mike, I'd just like to know how you felt 2 weeks ago when you heard the news that Nina Simone just died. I mean, how did that make you feel? Very sad. Nina Simone was one of my mother's just a mainstay that got played in our house a lot of times. As a kid, I was blessed to have a parent that really had a wide music.